Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Épisode numéro 4 sur The Carry. Allez, sans plus attendre, c'est parti, on doit trouver Abby. Let's go. Oula, pas très rassurant cette affaire. Vraiment pas très rassurant. Sanglier. Non, je vais pas appeler. Mais il le fait quand même, ce con. Allez, spam. Suppliant, lâchez-moi, ma suppliant. Pitié, pitié, mon vieux. Faites-moi descendre. Ne me faites pas de mal. Oh, mais putain, merde, mais qu'est-ce que vous foutez? Lancer de la terre. Non. Non. Je te conseille de fermer les yeux. Vous foutez quoi? Chut. Arrêtez. Chut. Au secours. C'est pas bon, je sais. Mais c'est pour ton bien. Maintenant où t'es passé, ma petite? Tu vois, il est pas méchant, ce gars-là. C'est quoi ce bordel? Merde. Il nous a mis du sang dans la tronche. Oh putain, le sanglier. Ok. Il est pas méchant, ce gars-là, mais on sait pas qu'est-ce qu'il fout là. Ah, on retrouve la bonne vieille folle. Comme le docteur dans Until Dawn. Depuis votre dernière visite. Bien. Alors, qu'avons-nous là? C'est l'étoile. Les étoiles brillent dans le ciel. Des balises lumineuses, des rêves d'espoir ou un rappel de votre insignifiance. La crainte du tourment, croyez-en la lumière des étoiles car elles apportent la clarté et parfois une preuve. La maison de Dieu. Échapper à vos problèmes, fuir ou combattre, telle est la question que nous nous posons tous, mais bien souvent, quand nous échappons au danger, nous sommes confrontés à un péril plus grand. Chaque pas peut être votre dernier. Souvenez-vous,
La vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous montre? Ouais, vas-y. Je suis curieux. Oui, bien. Mais je ne peux hélas me plonger que dans un seul des futurs possibles. Alors lequel? Choisissez. La maison de Dieu ou l'étoile? Allez, je prends la maison de Dieu, je sais pas pourquoi, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, partez. Retournez à Hackett's Quarry. Reprenez la route de Hackett's Quarry. Vous allez bien vous amuser. Elle a un peu fait un peu flipper celle-là quand même. Hein. Je veux maintenant pas dire, mais dans le genre psychopathe, on est pas mal. Vraiment. Chapitre 3. C'était horrible. C'était... Chapitre 4, pas de panique. C'était super rapide. Et il y avait un chasseur. Et c'était juste... Oh, Abby. Tiens. Quoi? Essaie de le dessiner. Dessiner quoi? Bah, la chose qui vous a attaqué. Nick, hé, hey, mon pote, dis-nous ce qui s'est passé. Une bête a attaqué. Oui, Abby, il est dans le coltard, mec. On sache ce qui s'est passé. Ok. Il y avait un mec, mais... Il y avait un genre... Un genre d'animal. Pourquoi tu parles? Un genre d'animal pour faire ça. Est-ce que j'ai... Abby, elle va bien, mec. Elle est juste là. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. J'en parlerai qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non! Oh merde! Regarde ça! Ah, c'est pas beau. C'est infecté et ça se propage, ça craint de ouf, mec, ça craint. Appuyer, ben non, on va pas appuyer. L'autre, le pauvre, on va le tuer. Mais il a pas tort. Il a pas tort, mais... Pourquoi? On va lui demander, vas-y. Pourquoi on ferait ça? Je sais pas, mec. T'as vu ce truc noir? Qu'est-ce que c'est, tu crois? J'ai la gueule d'un docteur? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On appelle pour voir. Hey! J'ai un fusil! Et je sais m'en servir! Je crois. Ryan, et si c'était Jacob Luna? Et si c'était pas. Attention! Non, faut pas tirer, enfin je pense pas. Il faut pas tirer parce qu'il y a Jacob qui nous cherche. C'était sûrement rien. Ouais. Mais c'est encore là? Ouais, vas-y, tire-toi! Quel courage! Moi, ouais, j'aime. Alors, on pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non? Tire pas. Putain, j'ai bien fait. Je suis là pour vous sauver. Putain. Mec,
va bien? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des freins sèches parce que je me les gèle serrés? Tous nos sacs sont encore dans le van. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Emma? Où est Emma, ouais, carrément. Comme. Elle est où, Emma? Merde! Oh, bordel de merde! Je l'ai laissée. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Attends, sur l'île? Oui, pourquoi? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Quelqu'un? Non, enfin... Écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper. Je l'ai laissée là-bas toute seule. Bon, je crois qu'on va retourner au chalet. Vers de... ce que j'espère être du ketchup. Ah ouais, non, je crois que c'est du sang. Il y avait un mec et il avait une bouteille. Bon, on en parle plus tard, c'est une longue histoire. Ouais, je sais, c'est flippant. Faut que j'aille chercher Emma. Excuse-moi. Hé, hey, j'en ai besoin, ok? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Je sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là? T'essaies de m'énerver? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine. Bon, lâche pas prise. Bah non, carrément. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan! Désolé. Vous me faites tous chier! Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi? Et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin? Non, merci. Il doit y avoir un autre bateau vers la Tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Ouais? Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait? Nick peut même plus marcher. Eh, j'ai une idée. Ah! La brouette. Enfin, comment il a appelé ça l'autre? Je sais même plus. La trouette ou je sais plus quoi là. Ah! On est avec Emma. Ouais, enfin moi je serais pas serein à ta place, enfin moi je dis ça. Je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que de la fertilité. Il y a une petite cabane dans ces arbres, je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette, chouette panoramique de là-haut. Voilà. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais... Je pourrais pas, parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Ouais. Mmh. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours sans quoi. Comme par exemple, quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu dois pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai? T'es un peu dégueulasse quand même, hein? Ce serait à moi de justifier ce que je ressens, alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux.
Bah, si il t'aime, connasse. Excuse-moi. C'est sorti tout seul. C'est pas dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre? Bon, ben, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Je crois qu'on va prendre de la hauteur, hein. Ouais, ça serait mieux, je pense. Enfin, je sais pas. Ok, je veux être au-dessus de tout ça. C'est parti. Bon, vous avez peut-être remarqué l'ambiance rustique de cette charmante passerelle, et c'est pas un hasard. Je sais pas comment sont vos passerelles, mais si vous passez pas une heure à enlever une écharpe du doigt d'un morveux qui chiale, il y a tromperie sur la marchandise. Bien sûr, le gamin va bien, hein. Je suis une bonne monitrice. Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ouais. Ah, ça y est, je pouvais plus bouger. Alors, je veux pas dire, mais alors ce jeu, putain, ma CG. Alors, soit il est mal optimisé, soit il est vraiment violent, mais putain, 75 degrés. Bon, après, en même temps, il fait très chaud aujourd'hui. C'est la première fois que je vois ma CG aussi chaude au niveau de température. Et à 100%, elle tourne, hein. On n'a pas le temps. Les ventilateurs, pour te dire, ils tournent à 2212 RPM, donc rotation par minute. Je suis à 2175 MHz et 75 degrés. Allez, ça c'est fait. Putain, ça fait flipper en tout cas. Moi j'ai hâte de refaire le jeu de mon côté avec les vraies musiques, parce que forcément, là, vu que je le fais en let's play, je peux pas. C'est là qu'on veut aller. C'est pas si moisine. Enfin, si, elle est littéralement moisine. Mais cette vue, oh merde, vous avez pas encore vos yeux. Il y a aussi une tyrolienne qui, bah, je suppose que vous pourrez me regarder me pisser dessus en l'utilisant. Au point où j'en suis, je vais profiter de la vie jusqu'à en avoir les clics qui sortent. Mais d'abord, on va par là, et j'ai encore des tas de choses à vous dire. Ouais, enfin t'as... Alors attends, agacé, c'est le problème de Jacob. Non, j'espère qu'Abby va bien. J'espère qu'Abby va bien. Elle s'est tirée tout à l'heure. Si vous avez pas vu, j'ai un peu roulé une pelle à lui. Un peu beaucoup, ouais. C'est bien jeu. Je suis pas une salope quand même. Oh, et je précise, Abby aime Nick. Enfin, ils ont fait l'un pour l'autre. En fait, je voulais juste attiser un peu la flamme. C'était épuisant de toujours les voir se tourner autour comme des méduses bourrées. La pauvre était complètement pétrifiée. Mais ça va aller, ils sont pas cons. Ils comprendront. Je suis sûre. Dans les bois en ce moment, en train de s'embrasser et de se flotter. Ouais, enfin si tu savais, ma belle. En tout cas, l'autre, elle est en maillot de bain. Enfin, en sous-vêtements, quoi, plutôt. Oh, il y a des bruits vraiment flippants, hein. C'est quoi ça? Non, regardez. Des clés de voiture. Les clés d'une voiture de flic? Ça doit être une histoire du genre. Désolée, monsieur l'agent, je vois pas. Je vois pas pourquoi vous m'avez arrêté. Je vais continuer la visite et laisser ça là. Elle fait quand même. Elle me fait grave penser à. À Jess dans Until Dawn, qui était entre guillemets, quand je dis ça, c'est pas méchant, mais un petit peu salope, c'est un petit peu taquine, un petit peu allumeuse comme ça. Elle me fait exactement penser à ça. Bienvenue. Comme promis, c'est juste une cabane complètement moisie et particulièrement branlante. Dans un autre monde, peut-être que le jeune Jacob et moi, nous se serions installés ici, fonder une famille. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Elle se fout quand même un peu de sa gueule, hein, je trouve. Hein. Ouais. Ça me plaît pas du tout, cette affaire. Profitez-en bien. Mais vraiment c'est pas. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires. Peut-être un des Mais ça, c'est rien. Oula. Dans les affaires de quelqu'un, ou est-ce
amoureuse. Jamais d'avis, je vous attrape. Hein. Clairement pas. Hein. Tu fouilles dans le sac, déjà. Pas pour le sac. Et pour le fond, je vais me rhabiller. Fini pour rincer l'œil. Je sais pas pourquoi, mais ça pue cette affaire. Mais vraiment. Bon, attends, je fais pause 30 secondes. Parce que je m'allume vite fait une cigarette. Et s'il se déclenche un truc et que j'ai pas le temps de réagir, ça me casserait un peu les rouleaux. Mmh. Un taser, ok. Chouette. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais rien là, pour le coup. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Taser, vite! C'est passé, ok. C'est là que j'aurais pu mourir, je crois, d'après la prévision. Attends, je... Ok. Ok. La trappe, vite la trappe. Putain, je suis pas bien. Vite, 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 vite. C'est bon, c'est passé. Oh la vache. La vache. Après, tu vois, juste pour en parler 30 secondes. Alors, autant c'est flippant et tout comme Until Dawn, mais c'est quand même plus facile niveau des QTE parce que là, c'est que le joystick, donc droit de la manette Xbox 300, enfin de Xbox One, pardon. Mais alors moi, ce qui me faisait flipper, c'est quand il fallait pas bouger. Chose que là, forcément, vu qu'on est sur PC... Ben, on n'a pas besoin de ne pas bouger la manette, tu vois. Mais ça, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui, à chaque fois, me tétanisait, quoi. Je veux dire, j'arrêtais de respirer, je tenais la manette aussi fort que je pouvais. Enfin, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Et oui, et puis je disais donc, ouais, ça, c'est vraiment le truc qui me tétanisait le plus. Mais là, c'est vrai qu'avec... vu que c'est un jeu... Alors après, je sais... Non, je pense pas que même sur la version PS5 ou PS4, je pense pas qu'il y a ça. Mais c'est vrai que ça, c'était vraiment violent. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai perdu Sam sur Until Dawn, que tu auras déjà vu. Voilà. Parce que, en fait, j'ai serré la manette, j'ai pas bougé. Puis finalement, soi-disant, j'ai bougé. Puis bah, elle est morte. Voilà. Allez, reprenons. Doucement. Pas de soucis, il va bien. Ouais, il va bien, ouais. T'as pas trop mal? Non, non, désolé. Quelque chose à manger d'abord. Allez, d'accord. Allez. Oh, putain. Un cheval. Bah, je sais pas si on pourra trouver un cheval, mais peut-être du muesli. Oh, Burke, je déteste le muesli. Ah,
Une carte. La force, ok. La force. La force peut être surprenante. La conscience de notre puissance puise en nous une énergie dont nous ignorons l'existence. Je suppose que des forces nous habitent tous. Et ce qu'elles donnent d'une main, elles peuvent le reprendre de l'autre. Ok. C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie. Il doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Et ferme la porte, tête de con. Moi, on va chercher un téléphone fixe. Ouais. Il y en a pas un dans le bureau de Monsieur H. Si. On vous rejoindra. Ça marche. J'espère que tout le monde va bien. Tu crois que ça peut suivre le rôdeur? On va être optimiste. J'espère qu'il s'en remettra. Je crois vraiment qu'on pourra le sauver avec ce qu'on trouvera dans l'infirmerie. Kathleen sait ce qu'elle fait. T'en es sûr? Parce qu'elle était même pas censée travailler à l'infirmerie cet été. Elle a juste remplacé une nana qui est jamais venue. C'est mieux que rien. Ah, la Laura. Allez, faut qu'on appelle les secours. Ok. Ça fait bizarre de voir cet endroit si vide. Tu veux dire que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo? Quoi? Non, toi aussi. Une ou deux fois? What? C'est quoi ça? Tu vas où là? J'ai cru que quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. Ouais. C'est une bonne nouvelle, paranoïaque, tu n'en sais rien. Bah non, tu n'en sais rien. On n'est pas sûr de ça. Non, c'est vrai, Kathleen l'a dit, tout ce que je dis, c'est qu'on n'est pas des professionnels, tu vois. On n'en sait rien, il a peut-être la rage ou un truc comme ça. Un optimiste, dis donc. J'essaie juste d'être réaliste. Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler? Monsieur H. Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours? Qui appelle ça police secours? J'en sais rien. Enfin bref, bref. Mais comment on... Je te demande quoi? La police? L'ambulance? Bah la police. La police, hein. Les flics? Ouais, carrément. En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel. Je leur réponds. Au secours, mon ami a été attaqué par un ours, ou peut-être autre chose, mais c'est un animal avec des dents. Et on ne sait pas combien il y en a en ce moment, ou de quoi ils sont capables, donc il n'est pas impossible qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque. Alors on aurait vraiment besoin de renforts. Ouais, ouais, un truc du style. Ok. Mort. C'est bizarre, ouais. C'est chelou, ça. La ligne est coupée. Parfois, ça... Pile au moment où on essaie d'appeler les flics. C'est une coïncidence. Bah, je crois pas, moi. Le truc pour accrocher. Quoi? Ça. Qu'est-ce que tu fous? J'en sais rien. C'est ce qu'ils font dans les films quand la ligne est coupée. Ils appuient sur ce truc, là. On n'est pas dans un film. Ok, ben alors, comment tu le sais? C'est peut-être justement ce qu'ils veulent te faire croire. C'est un peu bizarre ce comportement à Ryan, j'avoue. Enfin, je sais pas. Bon, alors ce téléphone marche pas. Personne ne capte. Il y a un téléphone fixe quelque part encore. Pas exactement. Quoi? Il y a du vieux matos dans le local radio. Là où tu fais les annonces? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais, et où je faisais les annonces sur la sono. Bref, il y a des vieux appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On
peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça. Excusez-moi. Non. T'es malade ou quoi? C'est seulement temporaire. Ouais, bah oui. J'irai le reposer. Quand on sera revenu et que les secours seront en route. D'accord, mais fais gaffe quand même. T'en fais pas. Ah non, 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 là il faut. Ok. What? C'est sûrement un orage. Quel y a orage? Il n'y a pas de bruit d'orage? Ben, peut-être que c'est les ours. Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours. Mais imaginons juste une minute. Si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même. Pas fou. Merci. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. On va flipper. Ouais, ok, ouais. Allons-y. Peut-être le laisser à Kiki. Agressif de nuit ton arme, est-ce qu'elle en a besoin? Bah oui, de nuit ton arme. On devrait peut-être la laisser avec ton flingue. Je vise beaucoup mieux que toi. Ça, t'en sais rien. Ok? Je suis peut-être un dieu de la gâchette. C'est possible. Arrête, donne-lui ton arme. Non, je lui donne à Kathleen. Ouais, carrément, ouais. D'accord. T'as raison. Allez, toujours le mien. Si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Fais pas de promesses que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la faire. J'arrive au mauvais moment. Ok. Allez, mon vieux. Je saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir. Ok, ça c'est fait. Oh putain, on est avec... Oula, va pas falloir se chier là. Emma. Doucement, rapidement, on va faire trop de bruit, je pense. Déjà que là, ça fait un boucan du diable. Non, j'accélère pas. Non, 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 non. Mauvaise idée. Peut-être que je me plante, mais oh putain, je suis mort. Ah, oh, je suis mort. Je suis mort. C'est passé. Waouh, c'est passé. Moi, franchement, je me voyais mort. Forcément, dans l'eau, il est mort, ton bordel.
Ouh. Assez stressant quand même, hein. Je suis quand même assez stressé, je t'avoue. Mais j'aime bien, c'est un bon stress. C'est pas le même stress que Until Dawn, mais on en reparlera plus tard, mais c'est pas le même stress. Oh, bien, vous revoilà, je suis ravie. Ah, voyons ça. La force. La force peut être surprenante. La conscience de notre puissance. Puisons en nous une énergie dont nous ignorions l'existence. Je suppose que des forces mystérieuses nous habitent tous. Et ce qu'elles nous donnent d'une main, elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre. Comme toujours, tout n'est pas visible. Et comme toujours, le choix vous appartient. Voudriez-vous peut-être en voir plus? Si on en voit plus, on va... Ouais, c'est qu'on va avoir plus. Alors attention, concentrons-nous. Ah, c'est l'espèce de... À nouveau, nous nous disons au revoir. Un dernier conseil. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veille sur vous. Ouais. Ça, j'ai bien compris. Mais j'ai l'impression que là, en fait, il y a quelqu'un de notre clan qui essaye d'étrangler le bonhomme avec les grands bras, là. Mais ce mec-là, je sais pas. Pour moi, il est pas mauvais, il est pas méchant, ce gars-là. Non. Chapitre 5, silence radio. Pour moi, il est pas méchant, ce gars-là. Il nous aurait pas mis du truc dans la gueule. Enfin, il nous aurait tué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était pas le cas, donc... Pour moi, il faut pas qu'on le tue, ce gars-là. J'adore Abby, je sais pas pourquoi. Coucou. Même si je l'aime pas dans The Last of Us, mais... La cuisine est complètement vide. Oh, zut, j'ai oublié mon sac. Je t'ai pris ça. Comment tu te sens? Je vais bien. Empathique, comment ça va? Empathique. Tu tiens le coup, ça va? Je suis surtout contente que t'ailles bien. Tu vas bien? Désolée, je te l'ai déjà demandé. C'est rien. Ok, je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Et c'est quoi ce... Ils en ont trouvé un autre dans le bureau de Monsieur H. C'est juste comme... Il s'est passé quoi avec les lampes? J'en sais rien. Ça va mieux? Attends, ils vont au local radio? La ligne est coupée, je crois qu'ils vont essayer d'envoyer un SOS. En attendant, on reste là. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Non, parle pas. Je croyais que Dylan et Ryan étaient déjà sortis. Restez là, je vais voir. Ça ira, mais attention, non, c'est dangereux. Non, c'est dangereux. On sait pas ce qu'il y a dehors. C'est peut-être dangereux. Ouais, c'est pour ça que je vais aller voir. Ça, c'est le genre de choix, en fait, je pense, où t'as pas le choix. Du sens où que tu dises l'un ou l'autre, elle ira quand même, quoi, tu vois. Je pense. Charlie dit à qu'est-ce quoi, il... Ça sent le QTE, cette affaire.
On va se tenir prêt. Oh la vache. Ah, c'est lui. Oula. Genre, il la voit pas là pour de vrai. Merde, je me suis trompé. Écoute, c'est peut-être pas le moins idéal, je sais, mais je... Quoi? Ben, c'est juste que... Tu sais, je pensais au début de l'été, quand on s'est rencontrés, au début de la colo. Maintenant que l'été est fini, je me demande si c'est la dernière fois qu'on se verra. Désolé, qu'est-ce que tu disais? Hey, je suis en train de me mettre à nu, là. Nick, je suis désolée. On peut parler de ça plus tard. Je flippe complètement, là. C'est pas le bon moment. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Tu voulais qu'il se passe un truc? Tu peux me dire? Ouais, je crois. Tu dis ça parce que je suis blessée. Nick. Oh putain. Oh mon dieu. Il s'est passé quoi? Merde, il est où le fusil? Il faut qu'on se tire. Non, faut qu'on se cache. Oui, il faut se cacher là. Vite. Thank you.
Ok. Je vous confirme que les QTE sont quand même beaucoup plus faciles que Until Dawn, hein, vraiment. Vraiment. En fait, c'était même une vraie station de radio. Enfin, je veux dire, c'est toujours le cas techniquement. Plus personne n'apporte sa radio quand on joue. C'est bizarre en fait de se dire qu'avant, il y avait des gamins avec leur radio, leur CD et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on a tout sur le portable. Mais Monsieur Hackett le confisque le premier jour de la colo, ne soit pas distrait par la technologie. Alors c'est un truc que t'aurais vraiment envie de faire. La radio, la colo. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, mes très chers amis. J'espère que ça vous aura plu. Puis on se retrouve très vite pour la suite. Portez-vous bien. C'était LSA. La bise à tous. Ciao tout le monde.